Salut, c'est Vincent et bienvenue dans cette nouvelle chronique entièrement dédiée aux super-héros et à l'univers comics. Et avant de commencer, il est possible qu'on soit interrompu. Interrompu par moi, le Docteur Very Bad. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le Docteur Very Bad, le super-vilain le plus misérable de notre époque. Moi misérable ? Quel manque de respect. Pour la peine, je vais rester jusqu'à la fin de ton émission. J'imagine que j'ai pas le choix. Bien sûr que non. M'en doutais un peu. Bon, où en étais-je ? Ah oui ! J'aborderai... On abordera. Cette chronique parlera de tout ce qui se rapporte aux comics, des bandes dessinées, aux films, en passant par les séries télé, des héros Marvel, ADC, et même des licences un peu moins connues mais qui méritent qu'on en parle. Bref, pour la première, j'ai décidé de vous parler de Silence, un comics qui met en scène le plus grand détective du monde, qui arbore fièrement une chauve-souris sur son torse, et qui, lui, a des méchants vraiment badass. Je veux bien sûr parler de Batman. Silence ou Hush dans sa version originale est un comics écrit par Jeff Loeb et dessiné par Jim Lee. Deux super cracks dans le monde de la bande dessinée américaine. On connaît Jeff Loeb pour ses nombreux travaux réalisés autant chez DC que chez Marvel. On lui doit entre autres Batman The Long Halloween, Batman Dark Victory et Hulk Grey. Quant à Jim Lee, il a lui aussi officié chez Marvel et DC. Il rencontrera le succès avec les séries Stormwatch, Gen 13 ou encore Wildcats. J'ai une question. Est-ce qu'un jour tu penses entrer dans le vif du sujet ? Vous permettez que je finisse mes explications pour ceux que ça intéresse ? Eh, t'excite pas, hein ? Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission après tout. Oh, trop aimable, merci. Donc, je disais, Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger, apparaît pour la première fois en 1939 dans le numéro 27 de Detective Comics. Batman raconte l'histoire de Bruce Wayne, un milliardaire philanthrope qui a vu ses parents mourir sous ses yeux à l'âge de 8 ans. C'est après ces événements qu'il jouera de débarrasser Gotham City de sa criminalité qui gangrène les rues et qui corrompt ses élus jusqu'aux plus hautes sphères. Oh, mais on s'en tamponne de tout ça, tout le monde la connaît, l'histoire de Batman. Je tiens juste à dire que pour moi, Batman est le super-héros qui a les meilleurs super-vilains. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, moi aussi, je devrais faire partie de ses ennemis. T'as une question ? Non, mais ton avis m'intéresse. Vous pensez que vous avez autant de charisme que le Joker ? Carrément. Moi, au moins, j'ai la classe. Ah, elle est bien bonne. Vous devriez être comique, hein, à la place de super vilain. Vraiment, hein. Vraiment, je suis sincère. En tout cas, vous comprendrez bien que je ne peux pas résumer 76 ans d'histoire en quelques minutes. Mais si vous voulez être incollable sur le monde de Batman, je vous invite à aller sur quelques sites tels Batpedia ou MDCU, où vous trouverez toutes les informations relatives aux Croisés Bleus et à son univers. Merci pour les liens. Mais il est peut-être temps de taper dedans, là. Ah, je vous écoute plus, vous. Donc... Hush commence à Gotham, où on voit Batman en pleine expédition nocturne pour retrouver un enfant qui avait disparu et kidnappé par Killer Croc, et qui avait exigé une rançon de 10 millions de dollars pour le libérer. Oui, la somme me semble appropriée pour le kidnapping d'un gosse. Après une baston où Batman arrive à battre Killer Croc, c'est là que rentre en scène Catwoman, qui en profite pour voler la rançon que Killer Croc était allé chercher pendant que Batman sauvait l'otage. S'ensuit une course-poursuite sur les toits de Gotham, entre la femme chat et la chauve-souris, jusqu'à que ce dernier chute et tombe lamentablement dans les ghettos de la ville, et on apprend finalement que Catwoman était en fait contrôlée par Poison Ivy, un clone féminin de Discord. Pour la gloire de la lumière noire, je me retire ! Qu'elle lui donne la rançon, et on voit cette dernière se tirer avec le blé. Le chapitre d'après reprend dans la ruelle où Batman a atterri après sa chute. Heureusement, Huntress arrive, met Batman dans la Batmobile qui le ramène au manoir Wayne. À la fin de la page, on voit ce qui est apparemment l'antagoniste de l'histoire, qui est de dos, en impair et recouvert de bandages. C'est une momie ? Non, c'est pas une momie. Mais si c'est pas une momie, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien, mais c'est pas une momie. Bref, l'action reprend dans la Batcave, où Alfred n'arrive pas à soigner Batman dû à la gravité de sa chute, et décide de faire appel à un chirurgien. Mais c'est sans compter sur ce bon vieux Bruce, qui même dans le coma arrive à communiquer en morse, et demande à son majordome de prendre contact avec son ami d'enfance. Thomas Elliott, devenu neurochirurgien. Quoi encore ? Du morse, mais c'est n'importe quoi. Oui. Oui, oui, bon, j'avoue. Mais on est dans un comics, après tout. Comics ou pas, tu communiques souvent à l'aide du morse, toi ? Non, non, je connais pas vraiment le fonctionnement. Pareil pour moi, je vois pas comment on peut communiquer avec l'aide d'un phoque qui a des grandes dents. L'alphabet ! Je parle de l'alphabet, pas de l'animal ! Ah ouais, pour le coup, c'est plus cohérent, en effet. Vous êtes complètement con, hein. S'ensuit après l'opération de Bruce Wayne par Thomas Elliott, un flashback... Une blague pas drôle du Dr. Elliot sur la réussite de l'opération, une baston entre Killer Croc et Batman, une discussion entre Alfred et Thomas Elliot que ce dernier appelle Alf, un autre flashback où on apprend que les parents de Thomas a eu un accident où seule sa mère a survécu grâce au père de Bruce, une baston entre Killer, Columbo, Croc et Catwoman, l'arrestation de Croc par Batman, et le bisou entre Catwoman et Batman. Une seconde, c'est autorisé ça ? Un super-héros peut rouler une pelle à une super-vilaine ?
Bah, pourquoi ça le serait pas? Bah, je sais pas, j'ai toujours cru qu'il y avait un genre de code à respecter, mais continue, fais comme si j'avais rien dit. Ok. Bon, le chapitre suivant se passe à Metropolis, ville où officie Superman, où Bruce Wayne s'y rend officiellement pour affaire, et on découvre que le baiser échangé avec la femme chat le perturbe assez. On le voit y penser souvent, même quand il rencontre, par hasard, à l'aéroport, son vieux pote, Thomas Elliott, qui l'a opéré quelques jours auparavant, et qui continue à faire des blagues vraiment, vraiment pas drôles. Oui, je sais, le hasard fait bien les choses dans le monde des comics. Et oui, je sais aussi que Thomas Elliott est aussi drôle que Kev Adams. C'est pas du tout ce que j'allais dire, mais je suis d'accord. L'histoire continue avec la rencontre de notre héros avec Clark Kent et Lois Lane au Daily Planet. Vous remarquerez que Lois Lane est brune. Brune. Pas rousse ni blonde. Mais brune. Mais pourquoi t'insistes là-dessus, toi? T'es fétichiste des cheveux? Non, je fais juste remarquer la couleur de cheveux de Lois Lane. Cette information sera précieuse un jour. Donc, on y apprend que Bruce Wayne est propriétaire du Daily Planet et que Lois et Clark sont mariés. C'est bien gentil d'aller rendre visite à ses potes, mais qu'est-ce que fout Batman à Metropolis? Ben, il mène tout simplement son enquête pour retrouver Poison Discord Ivy, qui a pris la poudre d'escampette avec l'argent que Catwoman avait volé pour elle. Les deux vrais faux amants retrouvent assez facilement la plante verte. Et s'ensuit une bagarre entre les deux femmes, c'est à ce moment-là que Poison Ivy sort de son chapeau son arme secrète. Superman. 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 Oui, Superman. Vous aimez prononcer ce mot, vous avez un problème? Alors oui, j'aime l'élocution du mot Superman. Mais surtout, je me demande, qu'est-ce qu'il fout avec Poison Ivy? Sans trop savoir comment, on voit un Superman complètement sous le charme de Discord Ivy et qui n'hésite pas à attaquer Batman et Catwoman. T'as pas l'impression qu'on nage en pleine facilité scénaristique, là? S'ensuit une course-poursuite entre les deux super-héros où on voit notamment Batman enfiler une bague en kryptonite et mettre une droite à l'homme d'acier qui l'a sans passer. D'ailleurs, je suis quasi certain que cette scène sera reprise dans le prochain film Batman vs Superman. Bref, sentant qu'il ne pourra pas mettre KO Superman avec une seule pêche, la chauve-souris joue sa dernière carte, qui est de lâcher Lois du haut d'un immeuble, et jouer sur le fait que l'amour de Clark pour Lois est indéfectible, et qu'il ira la sauver malgré qu'il soit hypnotisé. Et ça marche! Lois Lane qui tombe d'un immeuble, sérieusement? Oui, je sais, c'est un peu toujours pareil avec elle. Elle tombe d'un immeuble, et Superman la sauve. Ouais, bah cette cruche, elle ferait mieux d'aller au boulot avec un parachute. Après ce sauvetage original, on y voit nos deux héros discuter sur comment attraper Ivy. Avec la super force de Superman. Non. Avec les pattes gadgets de la patte ceinture de Batman. Non plus. Avec la vision thermique. Avec le souffle de glace. Oh, pas avec l'aide de Robin quand même. Non, on retrouve Ivy dans un appartement en train de compter son argent sur son lit, comme dans un clip de rap. Cette dernière, voyant nos deux héros, essaye de s'enfuir mais est stoppée par Crypto, le chien de Superman. Le chapitre se termine avec la déclaration d'amitié habituelle du chevalier noir avec l'homme d'acier et du mystérieux personnage recouvert de bandages les regardant avec des jumelles. Oui, bah même les momies ont le droit de se rincer l'œil. Non, c'est toujours pas une momie. Le chapitre suivant nous ramène à Gotham, où Bruce, Thomas Elliott et Selina Kyle ont décidé de prendre du bon temps à l'opéra. Mais c'était sans compter sur l'intervention d'Harley Quinn, venue foutre la merde parce que... Oui? Ben parce que c'est Gotham City, et Gotham City, ben, c'est la merde. Donc, la suite est une baston entre Harley Quinn, Batman et Catwoman qui ont mis leur costume. Comment ça? On n'en sait rien. Harley s'enfuit en blessant Catwoman, le chevalier noir la suit, et c'est là que rentre en scène le Joker, et qu'on découvre à ses pieds le corps de Thomas Elliott, mort. Eh ben bien fait pour sa gueule, fallait pas abuser des blagues de merde. En voyant le corps de son ami, Batman défonce le Joker, qui lui supplie d'arrêter et qui clame son innocence. Pour la première fois, Batman pète un câble. Il se rappelle tout le mal que le Joker a causé dans sa vie, en repensant à Barbara Gordon, ex-Batgirl, devenue paraplégique, dans The Killing Joke, sorti en 1988, et à Jason Todd, second Robin, battu à mort par le clown, dans le comics Un deuil dans la famille, sorti lui aussi en 1988. Une bonne année pour Batman ? La chauve-souris étant bien partie, on se dit que c'est peut-être la fin pour le Joker cette fois. Mais c'était sans compter sur le Navarro de Gotham, le commissaire Gordon qui arrête Batman juste à temps, lui disant que s'il tue le clown, il n'hésitera pas à le mettre derrière les barreaux. Le chevalier noir, ne voulant pas finir en prison, reprend ses esprits, et tout ça sous les yeux de l'homme en bandage, s'amusant avec une pièce de monnaie. Un type s'amusant avec une pièce de monnaie, mais qui peut bien y être? Bah une momie qui a pas de poche pour ranger sa monnaie. Dans les événements suivants, on y voit entre autres, l'enterrement du docteur Elliot, l'arrivée de Nightwing, la capture du Sphinx, l'homme au bandage qui serait double face mais guéri de sa schizophrénie, Batman qui révèle son identité à Catwoman, Lex Luthor à la Maison Blanche, un combat entre Batman et Ra's al Ghul, Huntress devenant à moitié folle à cause du gaz de l'épouvantail. Tout ça pour nous emmener jusqu'à la confrontation entre l'homme au bandage et Batman. Wow! Quoi encore? Mais tu viens pas de nous dire que la momie c'était double face? Vous auriez dû vous douter que c'était pas lui. Dans les comics, la présentation des méchants est toujours faite en grande pompe. Donc ce n'est pas double face? Bah non. Ok, j'ai capté, tu peux continuer, t'es pas obligé de m'assommer avec des explications.
Merci. Bref, Batman rencontre enfin son antagoniste du jour qui pour l'occasion enlève ses bandages et en découvre qui se cache dessous. Une momie qui s'était déguisée en momie pour semer le doute. Putain, c'est génial. Eh ben non, pour le coup c'est pas une momie. Ben c'est qui? Ah, pour le savoir, faudrait lire le bouquin. Quoi? Je vais être obligé de le lire. Ah ça va, il y a des images, vous voulez pas un livre audio non plus. Et tu t'arrêtes là, l'émission elle est terminée. Deux secondes, je vais conclure. Silence, n'est sûrement pas la meilleure œuvre de Jeff Love, mais il a le mérite de présenter un des plus redoutables ennemis de la chauve-souris. Le travail de Jim Lee est comme d'habitude superbement soigné, le style et le caractère donné au personnage est efficace. On part d'un événement presque anodin pour arriver à un gros twist final qui aura des retombées sur la vie de notre héros. Les fans les plus hardcore regretteront le côté fourre-tout, où on a l'impression que l'auteur a essayé de mettre le plus de personnages possible pour combler les quelques vides d'un scénario des fois un peu tiré par les cheveux. Il n'empêche que l'histoire reste passionnante et qu'on tourne les pages assez rapidement pour connaître la suite. C'est pour cela que Hush reste une référence et qu'il a aidé à moderniser le croisé bleu. Ceux qui connaissent bien l'univers de Batman et qui sont pointueux ne trouveront peut-être pas leur bonheur. Mais pour ceux qui ont envie de s'y mettre, j'ai envie de dire, ce comic c'est fait pour eux. Finalement, le seul souci de Silence, c'est qu'il soit sorti après The Long Halloween et Dark Victory du même auteur. Si vous voulez vous le procurer, il est facilement trouvable sur le net et édité depuis 2013 chez Urban Comics. Avant cela, il était édité chez Panini Comics. Et pour conclure, j'approuve ce comics. Franchement, tu m'as donné envie de le lire ton comics. Et en plus, pour un être intellectuellement inférieur, tu t'en es pas mal sorti. En même temps, de votre avis, j'en ai rien à branler. En tout cas, j'espère que cette chronique vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous laisse sur cette question existentielle qui est: quel est le plus badass des deux? Batman ou Superman ?